Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de l'ancien joueur de tennis, et actuel chanteur franco-camerounais, Yannick Noah. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne plus louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. J'ai toujours été compétiteur, mais ma mère aimait la compète, mon père était pareil. J'ai toujours eu ce truc-là, et donc, quand j'ai fait du sport, moi, je voulais gagner. La motivation, allez, tu l'as pas comme ça le premier jour. Mon rêve, ça a été de... Oh, ça, c'était un rêve fou. J'ai dit, putain, si je peux gagner un grand chelem, moi. Je me dis, là, si je gagne un grand chelem, ça va être le gros délire. Et puis, quand c'est arrivé, j'avais 23 ans. Et puis ma motivation, c'était de jouer. Mais j'avais déjà tout, en fait. Donc, j'avais plus du tout la même motivation, quoi. Pourquoi l'ancien joueur de tennis franco-camerounais, Yannick Noah, est toujours autant considéré par les Français à ce jour? En effet, Yannick Noah est celui-là qui, durant sa carrière sportive, a notamment remporté le tournoi de Roland-Garros en 1983, ce qui lui vaut d'être à ce jour le seul joueur de tennis français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem de l'Air Open en simple messieurs, mais aussi le joueur français le mieux classé à l'ATP numéro 3 en juillet 1986 et le plus titré en simple avec 23 titres. Yannick, téléphone ! Je suis pas là ! On bosse ! Il entame dès 1991 une carrière de chanteur, à laquelle il se consacre à temps plein, avec succès, depuis 1998, avec une pause de 2015 à 2018, lorsqu'il reprend le capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup. Un parlera de ces ombres que tu gardes autour de toi, et si tu ne peux pas répondre, ça ira. Comme ça, les amis, c'est ça aussi. Les amis, ça entend le cri qui se cache dans un silence et qui nous dit oh, il est long le chemin. Yannick Noah n'est pas seulement un ancien joueur de tennis et un chanteur. Il est aussi un père protecteur et très proche de ses enfants. En première position, nous avons Joachim Noah. Né le 25 février 1985 à Manhattan à New York aux États-Unis, est un ancien basketteur de NBA. Il est le fils aîné de tous les enfants de l'ancien tennisman et chanteur franco-camerounais, Yannick Noah. En deuxième position, nous avons Yelena Noah. Née en 1987, elle exerce le métier de mannequin. En troisième position, nous avons Elijah Noah, né en 1996. En quatrième position, nous avons
Jenaïe Noah, née en 1997. En cinquième position, nous avons Joa Lucas Noah, né le 10 juin 2004. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne plus louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.